L'autorité parentale, je crois que la contestation de l'autorité parentale est un trait permanent de l'adolescence, à travers l'histoire et par-delà les cultures. J'aime beaucoup citer un de ces témoignages, fort ancien. Voilà, j'ouvre les guillemets. Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde a atteint un seuil critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut être loin. Je demande souvent à mon auditoire de me dire, au fond, à quelle date on placerait ce témoignage. Tout le monde échoue. C'est Hésiode, en 720 avant Jésus-Christ, dans un texte qui s'appelle Les Travaux et les Jours. Bon, il y a de multiples témoignages de cette contestation de l'autorité parentale. Et effectivement, l'autorité parentale, si elle est reconnue et acceptée par l'adolescent, lui apporte trois inestimables bienfaits: la sécurité affective, la liberté et l'identité. Alors, c'est vrai que le rejet quelquefois violent de l'autorité parentale par l'ado le place dans une position de toute puissance, qui est en fait, malgré les apparences, le place dans une situation d'insécurité totale, et tout particulièrement d'insécurité à la séduction. Je fais souvent référence au conte populaire où le héros, qui n'en est pas encore un au début, effectivement transgresse la loi du lieu où il est et conteste l'autorité parentale. Et là, il devient extrêmement vulnérable et il tombe effectivement sous les coups d'une puissance mauvaise. C'est le cas, par exemple, de la pauvre Cendrillon qui rencontre effectivement cette mauvaise personne qui lui fait croquer une pomme empoisonnée. Cette position de toute puissance est contraire à la liberté en tout point. L'ado est soumis totalement à ses pulsions. Quant à l'identité, qui est chez l'ado en construction, son devenir est considérablement compromis. Alors ça m'amène ici à distinguer deux choses. L'autorité formelle, qui est inscrite dans le Code civil. Il y a de la part des parents un droit d'autorité et un devoir du côté des enfants de reconnaître cette autorité et d'y obéir. Mais il existe aussi l'autorité morale, autorité librement reconnue et consentie. Je pense qu'à l'adolescence, il faut laisser dépérir l'autorité formelle au profit de l'autorité morale, seule susceptible de refonder solidement la relation adolescent-parent. Alors, c'est vrai que l'autorité parentale se manifeste en disant la loi dans les situations, effectivement, de conflit entre parents et ados. Alors, je rappelle les trois modes disponibles. Il y a d'abord la loi impérative. Tais-toi, silence, dehors. Injonction sans explication qui entraîne la soumission ou la révolte. Et puis, il y a la loi positionnelle qui se fonde sur le respect de la position dans la famille. Exemple très ancien, tais-toi, les enfants ne parlent pas à table. Et enfin, la loi personnelle que je vais privilégier pour les adolescents. Et je donne un dernier exemple. Voilà les parents qui sont accompagnés de leur adolescent. On visite le grand-père malade à l'hôpital, qui, c'est vrai, ne sent pas très bon. Et l'ado refuse d'embrasser son grand-père. On pourrait lui dire, arrête tes bêtises et embrasse-le. Ça, c'est impératif. On n'a jamais vu un petit-fils refuser d'embrasser son grand-père. Ça, c'est positionnel. Ou alors quelque chose de différent, et qui commence par reconnaître le désir de l'adolescent. Ah, je comprends que tu n'aies pas trop envie d'embrasser ton grand-père, là, en ce moment. Mais il est malade, et c'est très important, effectivement, que tu le fasses tout de même, aujourd'hui, maintenant. Donc, on a reconnu le désir de l'adolescent, on a reconnu le désir du grand-père, et on laisse, bien entendu, l'adolescent prendre la décision qu'il décide de prendre.